Alors, c'est la soirée qui vient clôturer les fêtes de fin d'année pour la municipalité de Saint-Pierre. Donc, une journée qui a commencé dès 14h avec divers ateliers proposés par le bal de finissant et le CCAS. Nous avions aussi Claire Viadesbois qui était là avec un atelier peinture. Et puis la journée s'est suivie avec la visite du Père Noël, avec de nombreux enfants qui sont venus apporter leurs lettres, leurs cadeaux au Père Noël, leurs dessins. Enfin, un vrai moment d'échange entre les enfants et le Père Noël. J'apprenais bien à l'école au patinage et que je faisais des belles figures au patin. It's the most wonderful time of the year. With the kitchen of building and everyone telling the people to cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the Et puis, c'est un rendez-vous aussi pour les associations qui ont pu proposer une buvette et de la restauration. Un rendez-vous gagnant-gagnant entre la municipalité et la population. Nous sommes le club des Cougars et ce soir, nous avons un chalet de restauration avec un vente de croque-monsieur, poutine, gaufre. Et dans l'autre chalet, on a notre vente de textiles, donc on a pas mal de textiles à l'effigie des Cougars. Oui, ben on a le projet des 50 ans qui arrive au mois de mai, donc ça nous fait des bonnes levées de fonds, des événements comme ce soir pour financer notre projet. Et puis ça permet d'être présent sur des festivités qu'organise la ville de Saint-Pierre. Très très bien, les cabanes sont très adaptées, on a été mis aux petits soins et puis on a tout ce qu'il faut pour travailler dans des bonnes conditions. Donc un grand merci à la mairie et à Festiville pour l'organisation de ces journées comme ça, parce que pour les associations comme nous ou les autres avec qui on travaille en collaboration, c'est très important. Alors ce soir on est là pour l'Asie Symphonique, l'association l'Asie Symphonique. Ce soir on est avec les ados, on propose le croque-asile, donc c'est un croque-monsieur un peu gourmand avec du pesto, tomate, chocolat chaud mais on n'en a plus, chocolat chaud antillais qui est un peu épicé. Et le projet donc c'est de pouvoir envoyer nos ados qui sont les plus avancés dans la démarche danse en métropole, dans une grande ville, participer à un concours même débutant et pouvoir se confronter sur une scène nationale. Nous avons eu la chance d'écouter Antoine Beaumont, 2x6 et Alt FK. Tout ça interrompu par un formidable feu d'artifice. La population était au rendez-vous, on est vraiment satisfaits. La consécration, la dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher, se l'étoiler, sans baisser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopatie 2004, action! L'occasion pour souhaiter un joyeux Noël à toute la population et de bonnes fêtes de fin d'année.